Bien. Alors, la dernière fois, vous m'aviez dit... oui, je pense aussi, vu ce qui se passe dans l'histoire, vous m'avez dit... la prochaine fois, c'est bon, tu as terminé le jeu. Confirmé ? Confirmé. C'est pas que je suis heureux hein, de le terminer. Hein. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes donc de retour sur The Medium. Un jeu qui est très intéressant quand tu arrives à la fin. Parce que tu arrives à la fin. Je ne vous cache pas que... Ouais. J'aurais des choses à lui reprocher. Hein, on en parlera peut-être à la fin du jeu. Donc qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est encore... voilà, c'est un petit compteur électrique comme d'hab. Ah, un courrier. Alors je rappelle d'ailleurs qu'on est... voilà, de Thomas, donc le père de Marianne. Maintenant on le sait, hein, c'est officiel. Cachait sous sa baraque, enfin, vous saviez, baraque, un bunker, visiblement. Et donc, nous y sommes. Que va-t-on découvrir? C'est fait. Elles ne sont jamais. Elles ne doivent pas savoir. Elles ne comprendraient pas. Elles ne me pardonneraient pas. Mais elles sont en sécurité. C'est ce qui compte. La séparation, c'est le seul moyen. Moi, Thomas, je le sens pas. En fait, je pense que la... C'est ce que j'ai déjà dit. Je crois que la seule part... un peu plus, enfin un peu juste, un peu bonne dans chez Thomas, c'est sa part. Encore une fois, je ne sais jamais comment dire spirituel. L'écran de droite, là, vous voyez, là. Là, sa part spirituelle. Moi, je suis dans la part spirituelle. Et oui, ça ressemble à un abri un peu. Enfin, il y a des casques de mineurs ou des trucs comme ça. Ah, j'ai raté quelque chose? Ah non. Hop, allez. Gilette, à la perfection au masculin. Ça aurait été marrant à la limite que tu puisses faire ton propre tracé, mais non, même pas, c'est prédéfini, tu vois. T'as un gros trait au milieu de... De la peau tendue là. Et tout ce que tu fais c'est appuyer sur bas comme un abruti. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors attends. Quoi? C'est vrai qu'elle a pas de torche du côté droit et du coup des fois c'est un peu plus confus. Attends, il y a une statue là. Il y a c'est ça? Il y a une espèce de grosse statue qui surplombe un petit peu ce plan. Oh ouais, il y a une petite ambiance un peu bunker, hein, effectivement. On dirait une sortie. Mais elle est à moitié immergée. Bah heureusement qu'elle est qu'à moitié. Finalement, ça va. De quoi tu plains? Et là, je peux pas y aller. Va falloir jouer 2 heures un peu plus, je pense. Ah ouais, quand même! Sérieux? Mais en fait, c'est pas fini alors! Oh. Et là, c'est quoi? Ah, rechargement de pouvoir. Mon bras est armé et dangereux. Ça va fister dans les chaumières. Alors, je pourrais retourner en arrière, là où il y avait un... générateur. Ah oui d'accord, mais ok, là je peux pas y aller. Par contre du côté spirituel je pourrais. Bah attends, je vais d'abord aller voilà, au générateur. Normalement je devrais pouvoir interagir avec. Voilà. Donc, parce que là il est éteint, hein, on est d'accord. Ouais il est éteint. Alors peut-être pour allumer l'électricité parce que ouais ça m'a l'air un peu sombre tout ça. Ça a fait un truc. Ça a fait quoi? Focus sur le monde matériel. C'est rallumé? Mais j'en sais rien en fait. J'ai entendu un bruit mais... Là il y a une porte mais elle a l'air fermée et ça a pas l'air de pouvoir s'ouvrir. Bah en fait je pense que c'est bon. Mais je vois pas ce que ça a changé. Peut-être que ça a changé quelque chose, on verra plus tard.
qui fait que je vais être obligé de me séparer de mon corps. En fait, pour passer ici. Voilà, et ça encore une fois, c'est vraiment une mécanique intéressante. Mais ce qui la rend un petit peu originale, c'est le fait que l'écran soit scindé en deux. Hein. Sinon, ça, c'est quelque chose qu'on a vu et, plusieurs fois dans d'autres jeux. Oh là là, mais je vais mourir là. Ouais. Ah, j'avais plus d'énergie, le problème c'est que j'ai rétabli le générateur. Et du coup, j'avais plus d'énergie pour lutter contre les limites. Y'a rien ici. Attends, j'y suis allé là ? Oh mais y'a un autre passage. Bon moi j'ai rechargé mon bras. Mais me dis pas que ce truc en bas, ça ne sert qu'à ça. Mais ce passage là, je l'avais pas vu hein. Ouais. Oh putain, puis c'est méga grand en fait. Le mec, il a le parc Astérix sous sa maison quoi. Regarde comment c'est grand. Ah mais je peux descendre. Mais non, mais il y a de l'eau. Oui, c'est ça. Là, il y a une caisse. Et je sais pas s'il y a un escalier en réalité. Du coup, on va continuer tranquillement. Oh putain, mais c'est vraiment trop grand. Bon, j'imagine, alors juste pour tester, hein, mais oui, là l'escalier, bah il me permet pas d'avancer. Peut-être. Alors on va tester d'y aller comme ça. Allez Marianne, un petit effort, bouche le cul. Ok, il y a déjà une source d'énergie. Faut que je surveille vraiment qu'elle se volatilise pas, hein. Y'a rien là ici. Attends, si, y'a des escaliers. Putain, mais les angles de caméra, des fois, tu comprends pas ce que tu fais. Je m'éloigne quand même, je vais loin, hein. Et là, je suis en train de perdre du poids, à vue d'œil, vraiment. Là, ok. Eh ben, je sais pas ce que j'ai vu au bout. Mais à mon avis, je peux pas y aller. Last chamber. Ah bah attends, là il y a un truc. Off. Ah tiens, c'est bizarre ça. Je peux peut-être évacuer l'eau d'ici. Ah mais pour évacuer l'eau, faut avoir l'énergie activée, c'est ça? Une connerie de ce genre? Je me sers de mon côté spirituel et ça va. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Chambre ouest. Ah mais c'est une carte. On dirait un plan d'anatomie, mais un mec qui a une couille bizarre, tu sais, une... On en a tous une plus basse que l'autre, mais là, elle est vraiment très bizarre. Ah oui, mais si, c'est utile. Alors, attends. Et là, il a un trafic bizarre quand même, Thomas, sous sa maison. En découvrant le site, nous avons d'abord cru qu'il s'agissait d'un simple bunker allemand. Quelques couloirs. Peut-être que quelques rations défraîchies. 2 semaines d'excavation. Ah, plus tard, nous savions que R. Moustache avait de grands projets pour ce lieu. Ah, ils veulent pas dire le mot interdit sur YouTube d'ailleurs, il paraît. Enfin, si tu le dis, ta vidéo. C'est comme certains événements ou avec des avions, vous savez. Enfin, bref. Tout un système de tunnels souterrains, murs en béton armé, la totale. Sans doute qu'il voulait offrir un petit pied à terre en forêt au cas où il n'arriverait à rien. Oh, par contre, ça, j'aime bien. Bravo la personne qui a fait la traduction. J'aime bien. N'arriverait à rien avec son histoire de race supérieure. Les communistes ont fait ce qu'ils savaient le mieux faire. Ils ont pris possession des lieux. Ils voulaient en faire un parfait petit abri anti-atomique. Ils avaient même installé le courant. Mais ils ne sont pas allés plus loin que le rêve de Nivoa. Avant que le rêve de Nivoa ne parte en sucette. Heureusement pour moi, tout s'est déroulé dans le plus grand secret. Et j'ai fait en sorte que ça le reste. Pour autant que je sache, la plupart de ceux qui étaient au courant sont morts dans le massacre. Je ne vais pas dire que c'est le bon côté des choses, mais bon, si ça dégénère, on devrait avoir moyen de faire profil bas. Une couille bleue. Ah bah, ça nous est tous arrivé d'avoir froid, hein, d'une seule couille.
Ah bah voilà, je vais pouvoir... Ça c'est un raccourci vers... Exactement. Exactement. C'est le début et ça je l'ai réactivé du coup. Et ça va où? Ça va là. Ah, ah. Sur les boutons. Les deux cubes de rétention ont l'air fermés. On comprend rien comment ça fonctionne ce truc. Non voilà, là c'est central chamber, water la pression dans la chambre centrale. Ouais. Oh c'est l'homme mythe, c'est Florent. On va le noyer. Il peut me rejoindre. Là, je peux rien faire. Là, je peux rien faire. Oh, ça va me saouler, ça. Mesure le niveau d'eau dans la chambre. Inverse la direction d'écoulement de l'eau. Lance le pompage. Ah, d'accord. Ça, c'est water pump 1. Wouah. Bon, on va se balader. Apparemment, j'ai changé quelque chose. Je sais pas vraiment où aller, par contre. J'ai changé quelque chose sur quoi? C'est water pump 1. Voilà, il fallait que ça se termine là-dessus. Vous êtes sérieux? C'est chiant là. Bon, si la grosse mythe me suit, hop, je réactive l'électricité. Je soupçonne que ça ne sert qu'à ça d'ailleurs. Alors là, c'est le 3. Je me demande si la grosse mythe peut pas se balader librement ici. Je perçois des sortes de petites vibrations qui n'étaient pas là avant. Est-ce que je peux descendre ici maintenant? Oui, maintenant je peux descendre. Allez, j'y vois quand même un tout petit peu plus clair. Ah putain! Elle est prête à biberonner. Biberonner. Ah attends, je peux normalement. Non, tu veux pas? Attends. Mais si tu veux. Pourquoi? Eh non, je veux qu'elle récupère de l'énergie. Oh, je suis obligé de faire ça? Parce qu'il y a une caisse qui la gêne dans le. Dans le monde réel. Voilà. Je peux pas aller plus loin parce que là, voilà, il y a tout un tas de bordel. Mais voilà, j'ai rechargé mon bras. Bah, totalement. Normal, si tu veux revenir sur tes pas et franchir les mythes. On va faire gaffe. Je pense qu'il va y avoir Florent là, quelque part. Il va me faire chier, lui, hein. Comment je fais déjà pour me baisser, putain de sa mère? You cut the
Ouais, il est là-haut. Attends, c'est pas grave, j'ai ouvert un raccourci. Et normalement, je peux me faufiler. Ah, il y a une flèche qui indique... Qu'est-ce qu'elle indique, cette flèche-là? C'est barré? Bon, je sais pas. Je sais plus comment on se fait discret dans ce jeu. Je sais, voilà. Normalement... J'ai l'impression que je peux pas le faire parce que je suis en mode double. Je crois que c'est pour ça. Bon, alors, normalement, je peux faire quelque chose d'autre ici. Ah, attends. Il faudrait tout rediriger vers le water tank, j'imagine. Là, voilà, elle va vers West Chamber. Hop. Et j'aimerais l'évacuer dans le water tank. Où il doit y avoir rien. Water tank, pour moi, c'est juste un réservoir. Du coup... Ah, par contre, ouais, le water tank... Ah, c'est chiant. Bah, j'ai qu'à la laisser dans la chambre centrale, puisque, apparemment, il n'y a rien là-bas. Et comme ça, je vais pouvoir visiter... Je vais pouvoir visiter la chambre ouest. Bon, et là, par contre... Comment ça se fait? Ah, il faut que j'ouvre une valve, en fait. La chambre ouest. Il veut pas me suivre, le bouffon, là? Je vais réactiver le jeu. Il est où? Voilà, en tout cas, c'est toujours plutôt bien immergé, hein. Il est fou les jetons, je sais pas où il est, il casse les couilles. En fait, il parle de partout. Non, je crois que j'ai rien changé en fait. C'est quoi là-bas déjà? Eh? Il y a plein d'eau là. C'est peut-être le truc que j'ai rempli là. Non. Je pense pas. Je vais reprendre un petit peu d'énergie. Ça me saoule ce genre d'énigme là. Ça se trouve en fait j'ai raté un escalier. Parce que là je cherche... Ouais... Ou alors faudrait que je vide ça là pour pouvoir passer derrière. Qu'en fait, non, remplir le water tank, ça me paraît normal. Donc si, attends, je vais essayer de hop. Mettre dans cette chambre de voilà, chambre de pression, et je pense que c'est ça qu'il faut que je visite, la chambre centrale. Ah mais si, d'accord, j'avais pas pensé, mais oui bien sûr. Et voilà, et là il va falloir que je trouve une valve.
je peux atteindre l'autre cuve. Mais oui, bien sûr. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? J'aime bien parce qu'à chaque fois qu'elle passe à côté de l'interrupteur, elle me regarde en mode « toi, tu vas être utile un jour. » Allez, du coup, maintenant, je peux descendre là. C'est quoi, ça? Ah oui, c'est pour récupérer de l'énergie. Non, je suis full. Ah non, j'ai pas le volant. C'est quoi ce truc? Je dirais qu'il y a un truc qui est planqué dedans. Ah mais c'est un truc qui est derrière en fait, je crois. La valve. Oh non. La valve... Dis-moi que la valve elle est pas loin. Parce que là sinon je saurais pas voler. Je vois... Attends. Non? Non. Je vois pas quel endroit... Quel endroit je pourrais débloquer quoi. Non, ça doit être là-dedans, c'est ça? Oh putain. Putain, donc ça sert à rien en fait. Autant mettre la valve directement. Ça n'a pas besoin de faire des petites énigmes. Enfin, les énigmes. Galvaudé comme moi. Hein. C'est mon ticket de sortie. Ah, d'accord. T'as pas besoin de faire des petites énigmes où tu dois couper des chaînes pour récupérer une valve. Fais chier. Alors. Hop. Allez, on tourne. That's it. Second tank ready for duty. Deuxième cuve, paré à l'action, parfait. Il sert à quelque chose, bouffon ou pas? Ah, il est au-dessus. On l'entend, il fait sa vie et tout, mais... Il est là? La chambre. Ok, alors, là faudrait tout mettre dans le water tonk. Le water tonk. Allez hop. Bah, je pourrais pas tout mettre, je crois. Allez, comme ça. Ouais, voilà. Le water tank, il accepte qu'un de 2 000 litres. Vous m'avez compris. Donc en fait, là, ce qui serait bien, c'est de libérer voilà, ça. Ça va m'aider, ça. Alors, j'ai rempli les 2 water tanks. Que, en fait, si je fais ça... Ça remplit tout, oui. Ouah, je sais pas trop là. J'ai l'impression qu'il y a de la progression, mais je sais pas trop pourquoi. Alors, ben non, mais je comprends pas quoi faire maintenant. Il y a toujours cette porte là en bas. Donc, comme elle dit, son ticket de sortie. Il y avait une porte là-bas. Mais... Quoi? Je peux y aller maintenant? Ah, je peux y aller maintenant. Ah, mais je reviens ici? Cette porte, elle s'est fermée sous la pression, en fait. Ah, c'est bizarre. En bas, il n'y avait rien, à part des mythes. Ce qui n'a jamais été très utile, hein, les mythes. Je pouvais regarder vite fait en bas.
Peut-être là, c'est ça qui... J'ai l'impression que c'est ça qui fait chier. Il y a de l'eau encore. Ouais, là, il y a de l'eau. Je peux pas y aller, moi, en fait. Non. Là, si je me sépare de mon corps... Non, bah non. Quand on voit que la chambre centrale, elle est submergée. En fait, j'ai peut-être fait une connerie. C'est peut-être la chambre centrale qu'il faut un peu alléger. Ou peut-être répartir, j'en sais rien. Pour éviter qu'il y ait un défaut de pression. Parce que là, la porte, elle est ouverte ou pas? Ah non, cette énigme, je la comprends pas. Hein. Je fais ça un peu au pif. Bah, ça marche des fois. Voilà, là. Là, elle est fermée. Elle est fermée parce que, justement, la pression, la pression. On est où là, exactement? C'est quoi cette cuve? C'est la rouge. Ah, il y a des tuyaux un peu rouges partout, donc je pense que ça, ça doit être signifiant. Ouais, c'est la rouge. C'est la 3. Chambre Est. D'accord. Donc ça, c'est la chambre Est. Donc effectivement, logique que je puisse y rentrer. En fait, ce qu'il faudrait pas que... Voilà, hop. Je remplisse la chambre Ouest, parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Et normalement, là, c'est bon. Comme ça, les portes... Voilà, les portes vont s'ouvrir, là. Ah, mais il y a Florent qui va me gêner. Ah oui, c'est ouverte. C'est... Ah, mais non. Attends. Alors oui, ça s'est ouvert, mais d'accord. Ça, c'est juste un shortcut. Mais en fait, j'ai comme l'impression que le jeu est en train de te préparer au fait que Florent te court après dans cet endroit. Et du coup, t'as des accès qui sont ouverts un peu partout. Il va falloir le piéger avec le truc électrique. Je vois bien une dinguerie que ce type. Florent, il va être là, devant la porte. Genre en mode, tu veux un autographe? Là, regardez. Oh putain. Je suis trop fort en vrai. Florent qui chante dans sa tête, la liberté de tuer. Alors, Oula Florent. Mais non Florent, je voyais plus rien. Tu veux que je fasse quoi Florent? Ah bah oui, bah Florent il m'a tué. Florent Pagny s'en prend une jeune fan. Oh, il y a une lumière bleue. Je peux pas... Je sais pas pourquoi je peux pas me planquer ici. Certainement parce que, vous voyez, il peut me voir sous sa forme. Il peut voir ma forme physique, en fait. Si je pense qu'en fait, je peux le... Ah, si je pense qu'en fait, il faut que j'y aille en mode fantôme. Putain! Oh! Ah ouais! Je peux se quitter mon corps? Et ça me donne une seconde chance en fait. Oui mais... Oh! Alors attends, ouais je pense que j'ai trouvé le truc. Et pourquoi j'ai pas réussi? Donc la porte est fermée de mon côté. C'est pas un souci. Lui il va... J'ai l'impression qu'il voit pas mon côté physique.
Oh, tu vois bien que mon âme, en gros. Oh, mon âme. Voilà, là, le plan de caméra te dit bien où il faut aller. Le problème, c'est la caméra, après, qui te le montre pas. Jeu à la con. Voilà. Je vois rien. Florent, tu me gênes avec ton gros cul, putain! Je vois rien! Florent, t'es casse-couille. Florent, t'es grave casse-couille. Je vois rien dans le couloir avec son gros boule. Caméra 2, caméra 1. Je pense qu'en fait, je vais essayer de... d'y aller en forme physique, et donc pour ça, il faudrait qu'il s'en prenne à mon côté spirituel, là. Je vais l'attirer en arrière. Je vais tester. Oh, mais ça me saoule, puis ça, putain! Mais j'ai plein de jeux où ça reprend instantanément, et là, regarde, il y a un chargement avec un papillon pourri, là. Tu charges quoi? Le jeu, il est pas non plus oufement beau non plus, quoi. Par contre, il a pris cher, hein. J'avais pas vu ça, mais ses ailes, voilà, quoi. Alors, je vais essayer de m'avancer, mais à mon avis, il va me voir. En fait, là, ici... Voilà, alors là, et là... Hop. Ah là, viens. Hop. Et là. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et quoi, il servait le couloir à gauche, où il pouvait me courir après. J'ai l'impression que j'ai glitché là. Je crois que c'était pas ce qu'il fallait faire en fait. Thomas. Oh, bah ça me va, hein. Mais je crois que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Du coup, on est arrivé dans les appartements. C'était brouillon à mort. Bah, mon plan s'est déroulé comme je l'y avais pensé, mais... Mais j'ai l'impression que c'est pas le plan du jeu, si tu veux. Un paquet de cachets, ouais. C'est un de mes préférés. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse folle dingue, elle aime bien les papillons morts. Bah, ouais. Voilà ce que il a barré, je sais. Je crois savoir. Les pouvoirs viennent du même endroit, mais ils peuvent se manifester différemment. Elle semble exister dans les deux mondes, comme si son esprit pouvait habiter deux corps à la fois. Pour elle, les événements d'un monde ont une incidence sur l'autre. Est-ce qu'elle voit la frontière entre les deux, ou est-ce qu'ils sont indissociables? Nouvelle hypothèse, la mort estompe le voile entre les mondes. Ce qui veut dire que l'esprit d'un nouveau-né n'a jamais à passer de l'un à l'autre. Logique. À se tirer une balle, mais peut-être. Si tu le dis. Ouais. Alors. Ah. Non, don't do this to me. Ah. Burnt to a crisp. Ah. I guess I should look for a spare. Ah, tu mets de l'alu autour et ça, bon, ça marche. Laurent, t'aurais pas un... t'aurais pas un fusible, s'il te plaît? Bizarre, cette boîte, là. Vous voulez que je revienne en arrière?
fermé là avant. Florent, il a pété tous les fusibles, il a chanté. Busted open. Éventré de l'intérieur. This was definitely Lily's place. La chambre de Lily. Where he kept her. Du sel. Qui aurait cru que ce serait si simple? Un brin d'alchimie, une infusion spirituelle et le tour est joué. Comme quoi, en fin de compte, la sagesse populaire avait raison. Bref, la pièce est prête et ça marche vraiment. Pour la première fois de ma vie, je me sens seul. C'est une putain d'extase. Ouais, il a essayé de s'éloigner de plus en plus de son alter ego, en fait. Mais pourquoi c'est la chambre de Lily, alors? Quite the selection. So she could doll herself up with no one to see her. Maybe he meant... Ah, tiens, la fameuse poupée. She'd be a grown woman by now, but... The room is still all. Little windows into the world. It's something, I guess. Sunshine doesn't really translate to text. Oh, bizarre, moi ici je peux pas utiliser mes pouvoirs. Ah, parce qu'il y a du sel ou je sais pas quoi? Ah, mais non, si je peux. C'est juste quand elle parle, je peux pas. Again with the salt. The whole room is lined. Il y a du sel partout. Apparemment, c'est inhibe les pouvoirs, c'est ça? Ouais. Mais pourquoi il va entrer de l'intérieur? Il y a un truc qui en est sorti. Parce que Lily, c'est bien la femme avec la fille avec un seul bras, là. Pendant un moment, je me suis dit que c'était peut-être le... La grosse mythe. Ok, alors... J'ai un fusible. Ah, d'accord. C'est une énigme... Oh putain, cette énigme à la Resident Evil, quoi. Voilà. C'est exactement une énigme à la Resident Evil. Exactement. Il n'y a rien d'autre ici, hein. Ça c'est pas débloqué. Enfin, quand je dis ça, ça veut dire qu'elle est... Cette énigme, elle est disponible dans je sais plus quel Resident Evil, le 2. Sous cette forme exacte, quoi. On peut pas casser le cul. Bon, là j'ai quoi en face? Nice decor. Very... minimalist. If I find enough pieces, I might. D'accord, donc il va falloir que je passe de l'autre côté en trouvant, en reconstituant un miroir. Ça va être une aventure, ça. Dans le 3 aussi, je crois. Ah, c'est possible. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas original, quoi. Tout est calme à présent. Plus qu'elle et moi. Plus qu'elle et moi. C'est étrange, mais agréable. Comme prédestiné. J'ai intérêt à en profiter tant que ça dure. J'ai déjà commencé à transférer l'atelier à l'hôtel. S'il se passe quelque chose, je ne veux pas qu'elle soit à proximité. Je vais bientôt passer le seuil, aller le chercher. Il n'y a que deux issues possibles. Soit nous revenons tous les deux, soit personne ne revient.
Ah bah tiens. La fameuse de cuisine où de temps en temps on voit qu'elle fait un speech. Mold. It looks pretty fresh. Someone's been here recently. Okay. Here's one. So far so good. Un bout de miroir. Oh putain, puis je dois trouver le bon endroit où il va. Ah, j'ai très envie de faire ça. OK. Une salle de bain. Another one. Ah bah, elle est là, la composition d'Akira Miyamoka. C'est une blague? On l'a juste mis dans... C'est la musique de Akira, on est d'accord? C'est une blague? Ils l'ont juste mis, c'est un secret à trouver dans le jeu? Évidemment, elle est cool. Looks like he could never quite let go of his passion. Ah putain, ouais, elle est cool. In another life, perhaps. Est-ce que c'est toujours avec la Akira Yamaoka, il collabore très souvent pour la musique des Silent Hill avec la même chanteuse, j'ai plus son nom. Marie-Elisabeth, je crois, Mac machin, je sais plus. Est-ce que c'est la même? Alors, elle a failli me voir aujourd'hui. Elle m'a menti. J'aurais dû m'en douter. Il faut que je sois plus prudent, que je garde mes distances. Barré, le problème, c'est que... Barré, je... Il ne se passe pas un jour sans que je pense à elle. Je crois. Je sais que... Bien que j'ai bien fait de la laisser à l'hôpital, c'est mieux comme ça. Ça vaut mieux pour elle. Mais je continue à penser à ce jour. Ce jour où tout basculera. Où elle découvrira ce qu'elle est vraiment. Elle sera désorientée, apeurée. Il faudrait que je sois là pour elle, pour l'aider à faire la part des choses, pour lui dire que tout va bien. Non, elle doit s'en sortir, elle est forte comme sa mère. Mais en fait, oui, c'est ça, c'est que... Attends, du coup, chambre à Lily. Ça veut dire que Thomas, il a vécu ici avec Lily. Lily, elle est morte. Je sais pas comment, mais elle est morte jeune, je pense. Ça veut dire que Thomas, c'est la bestiole. Oui, c'est la même artiste, d'accord, merci. Chef d'œuvre de Dame de Cire, je me souviens plus. Je savais qu'il avait participé, évidemment, mais je me souvenais plus qu'elle chantait dessus aussi. Donc oui, alors moi je crois comprendre qu'en fait, la grosse mythe, c'est Thomas. Enfin, j'ai un peu cette sensation depuis un moment. Mais là, j'ai l'impression que le jeu essaye de nous guider jusque là. Jack Orkan. Ah, il avait le téléphone de là où bosse Marianne. Il savait. This should be enough. Let's make magic happen. This was definitely Thomas's workspace. Ben vraiment. The determination. Whatever he was working on, he really gave it his all. Les compositions d'Akira Yamaoka, où participe cette chanteuse là, elles sont formidables, putain. Même les jeux les moins reconnus de la licence, comme Frozen Memories, non Shattered Memories. Il avait fait un truc, c'est celui-là où il y avait You're Not Air, je crois que ça s'appelait. Il me semble que ça fait partie de Shattered Memories, elle est magnifique. Ou alors c'est le 3, enfin de toute façon, je crois que sur tous les épisodes où ils ont participé, il y a du bon.
or to get your other self back. C'est quoi ça? Hypothèse. Lors d'un traumatisme, l'âme peut se scinder en deux entités distinctes pour tenter d'amoindrir les dégâts. Observation, les entités peuvent se tolérer ou manifester de l'hostilité l'une envers l'autre. Comment en détruire une sans détruire l'autre? C'est pour ça que lui, il a une... Il gère son alter ego de façon totalement différente de Marianne, où ils ne forment finalement qu'une seule personne. Hein. Ça l'aide juste à avoir différents plans de l'existence. Et là, bon, bah, de retour, il n'y a rien d'autre. Ah, la musique se relance. Ouais, là, ça c'est. D'accord, ok. Elle a un certain charisme, hein, l'héroïne du jeu, je trouve. Le design n'est pas pourri, que ce soit ces deux côtés d'ailleurs. Spent years in Henry's fucked up world. Oh, yeah. When you sent him away, I could finally break free. That's why you're so important. You could finish this. Where is he? Where is my father? I don't know. La grosse mythe. Ah, c'est donc avec Thomas qu'elle s'entretenait depuis le début pour raconter son histoire.
Alors ça aussi, je crois pas vous l'avoir dit, mais je l'avais un petit peu anticipé. Du coup, on remarque quand même que les deux côtés de Marianne sont complètement en phase. Elle a aucune raison de fumer puisque c'est son côté spirituel qui parle à Thomas. Côté spirituel, elle ressent pas la clope apparemment. Elle gère son alter ego d'une façon un peu particulière, elle. What happened to her? What is this place? This is where he kept her. That cell back there. It only exists in one world. Keeps the other one out. He built it so that he could be alone. It's the only place he could. Separated from his powers. From me. Came in handy once Lily became unstable. Unstable? What do you mean? She's a medium too, Marianne. A powerful one. Guess it runs in the family. When Richard hurt her, it awoke something inside her. Something terrible. It was only a matter of time before it got out. It's what your father feared. What he tried to avoid. That's why he called me. But that means... Yes. She's still alive. There's still a way to save her. You have to find her, Marianne. Where is she? Where is my sister? As I can. I'm not leaving you. No. Voilà aussi un joli plan avec un bel éclairage.
Ouais. Alors attends, sa sœur est vivante. Mais en fait, moi, pour moi, il était admis que sa sœur, c'était Lily, la gamine avec... Avec le ballon, là. Sa nièce. C'était pas ça? This path a thousand times in my mind. I know every inch of it. But this time, something is different. Agréable là. Disons que là, on a une caméra un peu. On a toujours une caméra imposée, mais. L'angle choisi est plus cinématographique, plus intéressant. L'éloignement un peu de la caméra vis-à-vis de Marianne est intéressant aussi. Avec un bel éclairage, c'est très très sympa. I didn't know. I couldn't remember. I'm so sorry. It's okay. But it was better that way. At least you had a life. Day when the fire broke out at our house, I made a deal. The part of my soul that was tormented was set loose. You mean the monster? But why? To save you. Donc la mythe, c'est elle. Helped us escape the flames, but in return, I had to set it free. Free to devour, to destroy, to kill. The Neva Massacre. Yes. All those people died so that we could live. Because I lived, so did my demons. Father knew my powers were too dangerous. He left you at the hospital so you could have a normal life. And what about you?
Did he try to... No. Maybe he should have. But he couldn't bring himself to do it. Instead, he locked me away. But he only delayed the inevitable. Monster. It got out. And now you're here. You're the only one who can fix this. You. We both share our father's gifts, but also his fate. And the dream. The dream? But all I see is a girl. You. Shot dead. Oui, oui, elle a l'autre, elle a l'autre moitié du pendentif et ça. Ça s'était cramé. Depuis le début. BFF Forever. Et pourquoi elle est dégueulasse comme ça? The dream. It's what I want to happen. What? It all ends in me. But no. No! You can't send a spirit away while the host is still alive. That's why you couldn't destroy the monster. That's why sadness didn't want to go. Ah. Du coup, ça veut dire que Thomas aussi est en vie. I'm not strong enough. It won't let me. Only you can end this. Only you can fix what our father could not. Leanne, I can't. Please, don't make me do it. It's the only way to destroy it. To prevent further bloodshed. Lily? Oh! Marianne? What's going on? Skin suit. Now too small. There is another way. Marianne. No! What was she doing? It changed us. Nothing! It's like you said. I'm your only chance. Aren't I? You need a medium strong enough to sustain you. The others? They only lasted for so long before you broke them down. Marianne, please, I don't want this. Maybe it's not your choice. Maybe this is my story after all. No! Stop doing this! Please, sister, set me free. No! Stay back. Stay back! You can't always save everyone, Butterfly. It all starts with a dead girl. Thank you.
Peut-être que... L'art est pas si pourri que ça, l'histoire est... peut-être pas si pourrie, mais... elle est mal racontée, parce que je vous avoue que... J'ai pas tout compris. En même temps, je pense qu'il est... Il y a des manques exprès, des personnages absents, pour justifier une suite. Énigmatique quand même. L'histoire avec la sœur. En quoi elle a... ça a été dit clairement. Il me semblait vraiment que c'était établi que la gamine elle s'appelle Lily. Sa sœur s'appelle Liliane. C'était sa sœur morte. Ou en tout cas son alter ego vu que c'est aussi un médium. Mais du coup, c'est la mythe. Ou alors c'est un peu des deux. Putain, je sais pas, vraiment... pas compris. J'ai pas compris. Mais sinon, ça a pas l'air si une interaction que ça... C'est ce que j'ai dit, c'est mal écrit, hein, dans tous les cas, ça c'est sûr. C'est mal écrit. Est-ce que c'était bien? Non, j'ai pas particulièrement passé un bon moment du tout. Le problème du jeu, c'est que... il a un concept qui est vraiment intéressant. Avec ce. Ouais, encore une idée, cette idée de la médiumnie. Et du fait que. On a tous un. Enfin. Les médiums peuvent utiliser. Ce pouvoir vers le monde. Le monde des morts et voir des. Voir et faire des choses que. Les autres ne peuvent pas faire. Ici, ça se traduit par. Cette double caméra là, mais ça reste de la recherche. C'est un walking simulator, 2-3 énigmes de temps en temps, pas efficace du tout. Quelques phases d'infiltration pérave et des courriers tout le temps. Elle est la gamine et le monstre. C'est ce que je comprends quand même. Donc, la gamine, parce que j'imagine qu'au moment où elle a fait son pacte, c'était une enfant. Et du coup, elle porte un masque, comme les morts. Donc, c'est son... donc, c'est quand même, quelque part... un peu d'elle qui est mort. C'est... je sais pas. Compliqué. Après, oui, en termes de design, tout n'est pas à jeter. La mise en scène est parfois plutôt efficace, mais la plupart du temps, ça brille pas non plus. Mais parfois, il y a quelques moments où c'est plutôt agréable. Ils auraient pu en faire un film, ouais. Honnêtement, c'est un peu ce que j'ai ressenti, parce que... des couloirs... finalement, ce jeu est un grand couloir. Ouais, les interactions sont rares, hein, quand même. Ouais. Non, je... vraiment. The Medium. Vraiment, non. Pas aimé. Beaucoup n'ont pas aimé, je comprends pourquoi. Vous-même, voilà, dans la communauté, beaucoup m'ont dit, ouais, non, j'aime pas. Non, je rejoins cet avis. C'était pas bien. Donc on va commencer une nouvelle aventure sur un autre jeu. Et puis, si c'est pas sur le jeu, on se retrouvera sur d'autres choses. Des bisous et à bientôt.